اليوم راح نحكي لكم على اودان زيرو ان انكوباتور او نيفو دو الجي سنتر كي يافي انكوبي نوت بروميير انتربريز اللي كان اسمها ديف كويست واللي كانت افيك ان بروجي انوفون انتر الجزائر كي ايتي لو ديفلوبمون دو جو فيديو. L'incubateur a donc comme objectif de recruter des startups innovantes avec des projets nouveaux et uniques en Algérie. Ouhna, c'était le cas de DevQuest, elle avait lancé la première agence de développement de jeux vidéo et d'événementiel spécialisé dans le gaming en Algérie. L'incubateur a apporté une certaine aide aux sociétés qu'il recrutait, comme la société Tana, à travers un soutien logistique et du conseil, à travers toute l'équipe d'Interface Média, la société qui a lancé l'incubateur Odin Zero. Cette aide a se manifesté à travers une fourniture logistique telle qu'un local, des bureaux, des meubles et tout l'accès pour les infrastructures d'Interface Média où on pouvait accéder à leur studio d'enregistrement, studio de tournage, leur salle de réunion et bien d'autres avantages, mais aussi à travers le soutien par rapport à la démarche client. On a pu rencontrer à travers Interface Média des clients tels que Biopharm, Merina, Lafarge, Frishka, Orido et bien d'autres. Cette collaboration, quant à elle, a duré jusqu'à 2 ans, ce qui nous a permis d'atteindre une certaine maturité en tant qu'entreprise, à travers l'aide d'Interface Média, à travers toutes nos démarches, que ce soit administrativement parlant, leur soutien technique et bien d'autres. Et actuellement, nous avons pu lancer notre propre société. Mais nous avons une réalité pour vous dire que Odin Zero, un incubateur ici au niveau de Alger, est en train de recruter. Ou Marbabekoum pour ceux. Celles et ceux qui veulent postuler à travers leur nouveau projet de start-up innovant. Et ne vous en faites pas, vous êtes entre de très très bonnes mains.